Président. Effectivement, c'est un outil technologique qui va permettre aux forces de l'ordre de pouvoir mieux travailler. Mais vous nous avez expliqué, Madame la rapporteure, que ni opérationnellement ni techniquement, on pouvait respecter la vie privée. Donc c'est un amendement qui demande effectivement d'encadrer au maximum l'utilisation des drones filmant la voie publique en demandant aux forces de l'ordre d'en justifier la stricte nécessité et proportionnalité au regard des objectifs et moyens de contrôle existants, c'est le minimum par rapport à ce que vous dites. Mais moi, je voudrais poser une question à Monsieur le ministre pour qu'il me réponde sur ce sujet-là. Techniquement, il m'a été dit que la préfecture de police de Paris avait réussi ce défi, justement, de pouvoir flouter grâce à l'intelligence artificielle, qu'il est possible... peut-être pas d'embarquer les dispositifs de traitement de l'image dans les drones parce que ça les alourdirait, mais qu'il est possible au moins de voir ce dispositif à terre, en régie. On aura toujours l'opérateur du drone qui, lui, n'aura pas les images floutées, mais quand elles seront transmises, enregistrées et transmises, elles pourront être floutées. Donc je voudrais savoir si effectivement c'est possible, parce que si c'est possible, ça résout quand même un problème, mais il faut y mettre les moyens parce que ça va coûter cher. Je vous remercie.